On parcourt les saisons, Evelyne, ensemble pour travailler les ciels. On est en plein hiver. On s'en va en hiver, voilà. Qu'est-ce qu'on va ressentir? Qu'est-ce qu'on fait? Le froid. Le froid, hein, une atmosphère particulière, alors des couleurs un petit peu violacées par rapport à l'automne qui était orangé. On va Ouais. partir dans des couleurs bleues, froides, Plus froide, ouais. plus froides, hein, pour La neige. suggérer la neige. Alors le soleil qui perce à travers les nuages, parce qu'on a des journées froides d'hiver avec le soleil qui passe. Et la neige, on va mettre un petit peu de neige sur ce paysage. Difficile, prise de risque toujours, Prise de risque, toujours. toujours, hein, parce que là je vais suggérer les raies du soleil dans les nuages, donc ça passe ou ça casse. Je suis pas inquiet, à chaque fois il y a une grosse inquiétude, hein, on respire, respiration ventrale, il n'y a pas de On y souci, va. on suit lui. Evelyne, après une engueulade notoire entre nous deux, non. Donc en Donc là, cachette, non voilà. Evelyne, en cachette, tu viens de mettre ton chewing-gum. oui, disons que comme le sujet c'est les ciels, Oui, bien sûr. voilà. Donc puisqu'on va maintenant aborder l'hiver, je vais mettre quelques D'accord, petites ok. touches de drawing gum pour suggérer D'accord. la neige sur mon paysage. Mais Voilà. il fallait quand même tout voir ce geste élégant, cette Avec ma plume. plume de Ouais, poule et hein. mon drawing gum, voilà. Voilà. Et on va D'accord? maintenant attendre qu'il sèche. Ok, super. Evelyne, c'est l'hiver. C'est Et l'hiver. l'hiver, il y a de la neige, donc on a vu Voilà, la j'ai mis réserve un pour tout petit à peu de drawing l'heure. gum. On verra, hein, selon qu'on l'utilisera. Ouais, tu nous fais un ciel comment? Alors, je fais un ciel je vais m'inspirer un petit peu de ce ciel. C'est une photo que Tu j'ai vois? prise, Ouais, d'accord, ok. hein, un ciel froid avec le soleil qui est derrière les nuages. Donc, On le mettra en chargement aussi pour que tu voilà. respires. Et c'est pour montrer qu'on peut aussi travailler le ciel en deux temps. C'est-à-dire que je vais d'abord mettre les couleurs jaune rosé du ciel. Oui? Ensuite, on le séchera. D'accord. Et on remouera pour faire les nuages. Voilà, c'est une D'accord. autre technique Donc pour on a deux travailler le techniques ciel. Voilà, qui sont c'est sorties. aussi Super, très bien. une autre technique. Voilà. Vas-y. Donc, j'ai préparé une couleur avec du jaune cadmium et un petit peu de cramoisi d'alizarine. Voilà, pour avoir ce jaune un peu rosé. Et je vais le poser, hein, de façon un peu arbitraire sur mon ciel. Et c'est ça qui me servira quand j'ouvrirai des blancs. À faire apparaître la lumière de mon Ok. ciel. Parce que si je mélange le jaune et le gris en même temps, je risque d'avoir des verts qui vont être pas très harmonieux dans mon ciel. Voilà, donc maintenant je vais sécher cette partie du ciel. Alors, je vais continuer le ciel. Je vais mouiller les parties qui m'intéressent. Que je vais retravailler. Voilà. Et je vais préparer une couleur avec le bleu cobalt, le cramoisi d'alizarine et un peu de terre de sienne naturelle. Pour obtenir un gris un peu violet qui est le ton du ciel en hiver quand il fait froid.
Alors Evelyne, même si le sujet, encore une fois, c'est pas, ce n'est que le ciel, on va suggérer, voilà, le paysage. Suggérer le paysage, les arbres un peu... Sur les quatre saisons pour le retrouver même. Voilà. Dans des ambiances différentes. Evelyne, c'est superbe. Je trouve que la partie basse est très belle. Explique-nous les couleurs que tu as utilisées pour ce... Mais les mêmes que pour le ciel, en fait, hein, pour garder un camaïeu de couleurs. Wow. Donc, j'ai mélangé du bleu de cobalt avec de la lizarine et de la terre de sienne naturelle pour avoir alors des violets dans le ciel, hein, pour répondre dans les toits, pour répondre au ciel qui est un peu rose-violet, et du rose aussi dans les arbres, pour donner cette tonalité hivernale, voilà. Super. Et du mauve dans le champ. Voilà, il faut vraiment rester dans un camaïeu de couleurs. C'est ça, c'est une clé, hein, c'est une clé de succès, ça, alors, à chaque fois, je donc crois. Maintenant, on peut enlever le drawing off, pour voir apparaître les zones blanches. C'est-à-dire la neige ? La neige que j'avais gardée par sécurité, mais bon, quand on travaille. Ouais, tu te demandais tout à l'heure, hein, si tu allais les garder. Ah, oh, si, regarde. Si. Voilà. Très, très bon. Alors, on peut revenir un petit peu dans ces troncs d'arbres qui sont un peu blancs, qui font un peu zébrure. Comme tu veux. Oui. Voilà. À ce moment-là, on reprend une couleur. Tu fais quoi, là? Tu les avais réservés pour les teinter, finalement. Je les avais réservés pour garder un petit peu de blanc dans le ciel, mais on peut imaginer que ce soit des branches d'arbres qui sont éclairées par la lumière. Voilà, ouais. Ah, il y a un peu de neige, quand même, dessus, oui. Suggérer comme ça, super. Oui, même si le sujet ce n'est que le ciel, waouh, ce qu'il y a en bas, c'est super. Voilà, et donc il faut jamais oublier d'ombrer ses toits. Voilà, c'est des petites choses importantes, mais c'est du réalisme. Voilà, c'est ça, c'est du hyper-réalisme. Non, chacun. T'as le droit de dire que toi tu aimes celui-là. Ouais. J'ai le droit de dire ce que je veux, surtout qu'on est en train de filmer. Alors, moi j'adore, elle m'a eu très peur parce que voilà, mais il est magnifique. On est en plein hiver, regardez cet hiver. Voilà, c'est les couleurs, l'atmosphère de l'hiver. Enfin, j'ai essayé de rendre un petit peu les nuages qui passent, le soleil, les rayons de soleil qui passent à travers les nuages d'hiver et les tonalités qui changent. Super, hein, tonalité, un camaïeu magnifique. De violine magnifique sur les toits, voilà. C'est vrai que ce genre de travail est un petit peu plus stressant parce que les retraits dans le ciel, voilà, ça passe ou ça casse. Il faut oser. Allez-y, à vous d'oser maintenant. Voilà.